Voilà, avec Alida Kalpata, là cette fois-ci on est un peu plus dans la poésie. On va parler des mots et du bitcoin. Oui, alors je vais aller vite parce que je suis désolé, mais je dois partir après, donc peut-être que je zapperai quelques passages. Donc d'abord, je voulais vous remercier de me permettre de m'exprimer, remercier Albin qui m'a laissé sa place parce que je dois partir. Et donc j'aimerais tout d'abord commencer avec deux extraits de clips que vous connaissez. Vous en connaissez sûrement un, c'est sûr. Le deuxième, je ne sais pas. On va voir si ça va fonctionner déjà. Et ça ne fonctionne pas. Donc c'est pas grave. Bon, alors le premier, c'était le clip Money de Pink Floyd. Est-ce que vous l'avez en tête? Ou au moins le son de départ avec les cliquetis des pièces et toute l'ambiance qui va avec. Et le deuxième, c'était Money for You, Honey. Et c'est un clip de... et où les intervenants font de la musique avec donc tous les instruments bancaires. Et je voulais ouvrir avec ça, bon là c'est raté, mais ça permettait de bien ancrer le symbole de la monnaie dans notre société. Et c'est ça que je veux discuter, c'est quel va être le son du Bitcoin, quel va être le son de la blockchain, plus généralement quels seront ce genre de clips dans 30 ans. Parce qu'il faut réinventer du symbole, sinon l'idée ne peut pas se transmettre. Vous l'avez compris, je viens ici questionner la question de la symbolique du Bitcoin et par extension sa sémantique, un peu sa sémiologie. Et on est créateur d'un nouveau paradigme. Peut-être que tu veux le mettre comme ça. Mais qui dit nouveau paradigme est censé dire nouveau mot également et nouveau symbole. Donc depuis 2500 ans, nous avons forgé des concepts et des modes de pensée de la monnaie. Alors on peut par exemple voir que dès l'Empire romain, les mots désignant la monnaie sont pluriels. Alors on a ainsi le mot nomisma que l'on retrouve dans numismat, qui signifie ce qui est consacré par la loi. Alors on reconnaît la racine nomos grecque qui signifiant loi. Mais il y a aussi le mot pecunia qui signifie petit bétail et qui vient de la racine indo-européenne indiquant la richesse mobile. Donc on retrouve les deux sens de la monnaie. Tout d'abord un sens qui induit le fait que la monnaie est la représentante d'un certain pouvoir, mais dès ce moment-là, la monnaie est associée au fait d'être battue par un souverain. Tout le monde n'est donc pas invité à frapper la monnaie. Cela crée déjà une divergence avec le Bitcoin, où vu qu'il est décentralisé par essence, tout le monde peut miner s'il en a le matériel et participer à la création monétaire. On parle donc de minage en métaphore avec l'or étant extrait des mines, ce qui induit une idée industrielle de la création monétaire, mais nous y reviendrons un peu plus tard. Donc quant au sujet, quant au second sens, il désigne une denrée physique, désignant une certaine valeur, le bétail. Et dans le cas de nos Romains, et plus généralement de l'homme à cette époque, le bétail est une véritable valeur sûre, une valeur refuge en quelque sorte, parce qu'elle permet de manger. On retrouve cette idée d'animaux dans l'indo-européen indiquant richesse mobile parce qu'on peut déplacer son bétail. Et ça c'est assez intéressant parce que le bitcoin recoupe parfaitement ce sens, dans le sens où la richesse du bitcoin est véritablement mobile vu qu'elle est universelle et immatérielle, contrairement à la monnaie classique. Enfin le terme latin donc, qui a donné le mot monnaie dans notre langue est moneta. C'est un des adjectifs associés à la déesse Junon, signifiant avertisseuse, conseillère. Elle était aussi la déesse de la mise au jour, des enfantements et des commencements. C'est donc assez naturellement que les Romains choisirent son temple pour battre monnaie. En effet, c'était une véritable opération de mise à jour, une création. De plus, on retrouve encore cette idée de loi et de surveillance par le conseil. Donc on peut voir clairement que ces symboles, ils sont ancré dans notre inconscient collectif depuis très très longtemps. Et on voit que les monnaies portent en elles voilà, cette idée de création monétaire un peu mystique vu qu'elles sortent d'un temple. Et le côté mystique dans le Bitcoin est très très présent. à mettre tout de même en rapport avec l'autorité romaine. Et le deuxième surnom de Junon, c'était Aequitas, donc ce qui signifie de manière transparente « équité » en latin. Et on retrouve l'idée que la monnaie est là aussi pour égaliser et donner des chances un peu à tout le monde, enfin, sauf aux esclaves dans le cas des Romains.
Et donc, on peut retrouver cette idée-là dans le Bitcoin, où tout le monde peut miner, où la monnaie n'est pas possédée par l'État, en quelque sorte. Donc, il y a peut-être un travail de rééquilibrage dans la doctrine du Bitcoin à la base. On voit bien que le papier de Satoshi appuie le fait que tout le monde, pour la première fois, pourra battre monnaie. Donc on retrouve cette idée-là, qui est très très forte. Par la suite, ce qu'on va voir, c'est que les monnaies sont faites de métaux précieux. Et ça va introduire une confusion insensée entre la monnaie et son support. Une nouvelle croissance matérielle, une nouvelle divinité apparaît, celle de l'or. Le mythe de l'or est désormais lié à celui de la monnaie. Mais ce qui est intéressant dans cette conception-là de la monnaie, c'est qu'elle est purement occidentale. Les Chinois, par exemple, ont très rapidement émis des chèques papier, du papier monnaie, ce qu'on a fait très tard, nous, parce qu'on avait cette sacralité-là due aux pièces d'or. Et cette sacralité, elle se retrouve dans Bitcoin, parce que... on parle de ses défenseurs comme des évangélistes qui n'hésitent pas à effectuer des gloses du livre blanc de Satoshi, comme on l'a vu tout à l'heure, quand il va nous expliquer ce que voulait dire Satoshi par là et les erreurs qu'il a pu faire sur Bitcoin, peer-to-peer electronic cash system. Mais au Moyen-Âge, la monnaie prit une tournure tout autre, les rois renforcèrent l'aspect politique. Et religieux de la monnaie. L'idée de marché est encore plus ou moins inconnue et la monnaie est toujours sacralisée. Elle procède de la souveraineté, la politique et la religion. Ainsi, l'objet divin va peu à peu s'effacer quand les rois vont commencer à manipuler les cours de la monnaie. Donc on perd cette sacralité-là au moment où le cours se manipule. Et ça, c'est encore une fois intéressant, parce que le Bitcoin a une volatilité très forte, mais conserve une sacralité tout de même. Donc on passe à cette époque d'une conception divine à l'archétype de la marchandise. Et c'est ainsi que les auteurs des siècles suivants commencent à parler d'une monnaie marchandise. C'est à ce moment qu'on commence précisément à ajouter un second sens à la monnaie, qui est celui... d'étalon, en quelque sorte. Elle ne vaut plus son pesant d'or, elle vaut sa valeur d'interchangeabilité. Et c'est là qu'arrive ce deuxième sens de la monnaie. Elle devient un étalon, et sa valeur réelle est plus vraiment primordiale. Le plus important, c'est la garantie du sceau du roi, en quelque sorte. Et ça, il y a vraiment un rapport avec le Bitcoin qui est garanti par les mineurs. Et cette garantie-là est décentralisée. Et sa valeur intrinsèque n'existe pas, en quelque sorte, le Bitcoin, vu qu'il n'est pas physique. Donc on est vraiment uniquement sur ce second sens-là. Mais à la suite de ces siècles, naquit la doctrine marxiste, qui voulait considérer que la valeur de la monnaie est indirectement celle du travail nécessaire pour extraire le métal précieux qui lui donne sa qualité d'étalon marchandise. Et c'est vraiment une idée intéressante dans le cadre du Bitcoin, parce que une grande partie de la communauté du Bitcoin tente d'évaluer sa vraie valeur en situant le coût du minage, électricité plus matériel, et c'est assez paradoxal pour le cas du Bitcoin, qui va plutôt être une monnaie libérale, de se retrouver dans une même évaluation de la valeur que des marxistes. Et enfin, de nos jours, la monnaie est donc vue comme un actif. Cet actif sert l'évaluation d'autres actifs en raison de l'interchangeabilité dont on a parlé tout à l'heure. Et ainsi, le sens premier de la valeur économique de la monnaie, son point d'or, a vraiment, vraiment disparu. Uniquement, il ne reste plus que sa valeur seigneuriale, en quelque sorte, sa valeur faciale. Même si ce n'est plus des rois, mais la banque centrale qui vont garantir ce cours. Mais pourquoi vous parlez de tout ça? Alors, je vous parle de tout ça, c'est pour illustrer... à quel point l'inconscient collectif donc, nous forge une idée du Bitcoin et peut aussi nous forger les réticences que l'on a face à Bitcoin. C'est-à-dire que c'est un vrai mélange conceptuel qu'on n'a jamais vu. Et c'est un véritable changement de paradigme. Le phénomène est inédit. Il est fondé sur des idées venant de plusieurs milliers d'années. Alors pourquoi nous rapprochons-nous le Bitcoin de l'or, par exemple? Il y a un véritable désir de retour en arrière, de récupérer cette valeur non faciale, cette valeur physique, alors que le Bitcoin est immatériel, c'est quand même fou. C'est aussi en raison de sa quantité limitée, on pourrait dire qu'il a plein de qualités similaires à l'or, mais c'est quand même amusant qu'on veuille le rapprocher là, le rapprocher autant de l'or et de cette sacralité qu'avait l'or. Et peut-être aussi de l'équité des Romains.
Donc, voilà, alors, nous, on aurait pu trouver une autre analogie que l'or, mais on a vraiment pris ce mot et... Écoutez, pour il satisfait les médias, par exemple, et nous satisfait. On arrive à penser la valeur du Bitcoin, quand on le voit comme de l'or, on se dit, bah, ça a peut-être de la valeur. Alors que si on dit que c'est des 0 et des 1 dans un ordinateur, les gens vous disent, ah mais ça se touche pas, ça a vraiment de la valeur, ce truc-là. Alors, en revanche, le caractère intangible, et non le caractère virtuel, comme disent tout le temps les médias, parce que je peux acheter une baguette de pain avec mes bitcoins, ils sont pas virtuels, ils sont juste intangibles, immatériels. Et donc pour en revenir à l'aspect intangible du bitcoin, il rapproche de la divinité d'une autre manière. En effet, le fait que le bitcoin ne soit pas touchable lui donne une véritable sacralité, comme je disais tout à l'heure, et nous sommes face à une idée, comme l'aurait expliqué Platon, une idée pure. De plus, nous l'expérimentons, nous la vivons sans intermédiaire. Donc on est vraiment dans l'idée platonicienne avec le bitcoin, c'est assez amusant. Il y a donc une notion importante de vérité dans le bitcoin, et peut-être que c'est ce qui fait que des personnes peuvent accrocher au bitcoin comme à une secte tout d'un coup qui les prendrait. Il y a un côté, une nouvelle vérité. Et il y a une notion importante de vérité dans le bitcoin qui est matérielle, voilà, et possiblement immortelle, éternelle. Ça ne vous rappelle rien? De plus, je sais bien que c'est une notion de programmation, mais c'est amusant que le nom de Core soit donné au logiciel qui fait tourner le protocole. Bitcoin Core recoupe parfaitement l'idée de poumon, du cœur, comme l'était l'idée de Dieu et de l'âme chez les Grecs avec le mot pneuma. Cette idée de souffle sera d'ailleurs peut-être utilisée dans un futur symbolique du Bitcoin, car les mineurs, avec leurs machines, sont avant tout des souffleries. Je veux dire, je ne sais pas si vous avez vu le reportage qui a été fait par Motherboard dans une mine chinoise. Le bruit des mineurs était vraiment mis en avant et ça donnait un côté très spécial à cette mine, ce souffle sans cesse. Et on a l'impression d'entendre que la monnaie est réellement produite. Donc, comment représenter dès lors le bitcoin, cet objet monétaire non identifié? En effet, la représentation de la sacralité a toujours posé de nombreuses questions aux artistes de manière générale. Quand il fallait représenter quelque chose qui n'existe pas ou quelque chose qu'on peut considérer comme divin, on a toujours eu des problèmes pour le représenter. Et donc, il nous faut des nouveaux symboles. Et le bitcoin, c'est pas un vieil homme barbu. Donc, des artistes ont essayé de faire des œuvres prenant en compte l'aspect décentralisé et universel du bitcoin. Donc là, en fait, c'est les continents qui se meuvent entre eux. Il y a 5 formes différentes qui se meuvent entre elles pour réussir à donner cette idée de continent et d'universel. Mais là, en fait, c'est la même illustration, mais avec des couleurs différentes pour voir qu'il y a vraiment... différents plateaux en fait sur l'œuvre. Mais de manière générale, le Bitcoin reste encore assez attaché à ses représentations et ne reflète pas son caractère nouveau, immatériel et éternel. Souvent, son logo est un et reprend la forme d'une pièce. Il a la couleur orange qui n'est pas forcément, qui est pas très éloignée de l'or, et les barres du dollar qui évoquent l'argent depuis la supériorité du dollar dans notre monde moderne. Donc, ne doit-on pas nous libérer de ces images pour arriver à une véritable émancipation de Bitcoin par rapport aux monnaies classiques et ne pas sans cesse l'opposer aux monnaies classiques, lui donner en faire un nouvel objet en quelque sorte. Pour en faire un nouvel objet, il lui faut des nouveaux symboles. Donc pour commencer, nous pourrions lui attribuer un nouveau sens sémantique, par exemple. Le Bitcoin peut aisément prendre le nom de métamonnaie. Alors on parle de crypto-monnaie, mais on peut aussi crypto-monnaie parce que ça décrit sa technique, mais conceptuellement on pourrait très bien dire que c'est une métamonnaie. Ce sens permet de bien recouper ces différents attributs en pensant méta, donc au-delà d'eux. Nous comprenons aisément que le bitcoin est plus qu'une monnaie, donc il permet de faire du notariat, il permet de faire plein de choses sur la blockchain. Et donc là on voit vraiment qu'on est face à autre chose, un nouvel objet. Et en plus, on peut considérer que le bitcoin est au-delà de la monnaie, voire au-dessus de la monnaie, parce que par son caractère éternel, il peut devenir un étalon universel. Donc tout comme nous pourrions repenser également l'image des mineurs, en les appelant par exemple surveillants au lieu de mineurs,
car en réalité, nous sommes focalisés sur l'idée de création monétaire, alors qu'en réalité, les mineurs ont un rôle de surveillance et moins de création monétaire. Le plus important, c'est que le réseau tourne. La création monétaire, elle résulte du fait que les mineurs font tourner le réseau. Voilà, par exemple, c'est des petits glissements de sens qu'on pourrait réussir à avoir pour mieux exprimer les nouvelles idées du Bitcoin. Et l'identité aussi est un des facteurs majeurs du Bitcoin. Tout d'abord, il résout le problème de l'attaque de civils et des généraux byzantins. Mais il est aussi souvent associé à l'idée d'anonymat, qui est plus ou moins fausse. C'est d'ailleurs un des seuls lieux où la communauté du Bitcoin a véritablement créé un nouveau concept sémantique. Bon, il y en a d'autres, on peut penser à la blockchain, mais il n'y a pas vraiment création d'un nouveau concept, mais celui du pseudonymat. Le pseudonymat, c'est le fait d'être anonyme tant qu'on ne peut pas relier votre adresse à vous. Mais après, tout est transparent sur la blockchain. Mais donc c'est pas très clair, parce que pseudonymat, le seul problème, c'est que y a l'idée de mensonge, il y a l'idée de cacher, alors que il n'y a pas besoin de cette idée-là. Il suffit de dire que c'est un anonymat relatif pour être clair et dire que l'anonymat existe tant que nous sommes incapables de le lier. Et voilà, après on peut voir tous les mots, je voulais un peu passer dessus, les mots qui sont autour du Bitcoin, donc la décentralisation, l'adresse, par exemple on dit encore un compte pour dire une adresse, pour être clair, alors que faire des analogies sans cesse comme ça, c'est ne pas réussir à émanciper le Bitcoin. Et pour terminer, voilà, s'il y a un autre attribut qui le rapproche avant tout de la symbolique de la monnaie, c'est l'idée de mystère. Et le mystère de l'économie fut plus jalousement gardé que ne le furent jamais ceux de Deleuze. Et la banque centrale de Grèce se trouvait à Delphes. On peut voir ça dans le travail d'Erzabond, dans le travail de l'usure. Et c'est amusant lorsque l'on sait que les vérificateurs des marchés prédictifs vont être appelés des oracles. Et encore plus amusant quand nous savons que le créateur du Bitcoin reste encore inconnu. Donc concernant l'objet de ma conférence, j'ai essayé d'éclairer quelques pistes, non pas le Bitcoin dans son fonctionnement technique, mais dans son fonctionnement symbolique. Et je m'en remets à vous pour trouver de nouvelles représentations du Bitcoin qu'il faut créer pour lui créer une physique et une métaphysique. Donc voilà. À lire Le Coin Coin, qui est un site d'actualité sur les crypto-monnaies que j'ai lancé. J'espère vous retrouver. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Coincoin.fr, des pistes. Qui est partenaire de l'événement. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous.